Salut, c'est quoi de neuf? J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Après plusieurs semaines de détention provisoire, deux magistrats vont auditionner pour la première Cédric Jobillard, le mari de Delphine Jobillard. La jeune maman tarnaise portée disparue depuis 8 mois. Ce 14 octobre à 9h30 au tribunal judiciaire de Toulouse. Un jour particulier pour Cédric Jobillard et son premier cercle. Depuis que ce suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme a été mis en examen le 18 juin dernier. Delphine Jobillard, 33 ans, a disparu dans la nuit du 15-16 décembre 2020 du domicile conjugal de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Lors de cette audition, Cédric Jobillard devra s'expliquer sur des éléments de dossier et des points que les magistrats jugent contradictoires. Mais pour l'expert Dominique Rizet, plaquiste ne craquera pas. Interview par nos confrères de BFM TV ce jeudi 14 octobre. Jean-Baptiste Allary, l'avocat de principal suspect, a évoqué l'état d'esprit de son client à la veille de son audition. Il répondra aux questions des juges d'instruction, comme ça a toujours été le cas, a-t-il assuré. Si Cédric Jobillard devrait coopérer avec la justice, il ne devrait faire aucune révélation. Des déclarations spécifiques à faire, je ne pense pas. Nous allons encore une fois, comme ça a toujours été le cas depuis le début de toute cette affaire, nous mettre à la disparition de la justice pour qu'enfin on puisse envisager, considérer que peut-être qu'il n'existe pas à son encontre de charges suffisantes, d'indices graves ou concordants permettant de continuer à le maintenir en détention, a déclaré l'avocat de Cédric Jobillard à nos confrères. Cédric Jobillard est en détention provisoire depuis 4 mois et toutes ses demandes de remise en liberté ont été refusées. Pourtant, pour son avocat, le dossier est vide et la justice n'aime pas le vide, a-t-il assuré avant d'ajouter. La justice a besoin de trouver au moins de manière temporaire un responsable, mais le dossier doit encore évoluer, du moins dans la tête du magistrat, a-t-il expliqué sur BFM TV. Depuis 4 mois, ce dossier n'évolue pas. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.